Eh oui, coucou les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Mister Ghost, une chaîne exclusivement Lego au 100% du jeu, comme d'habitude. Et bien entendu, j'espère que vous allez bien, car nous sommes là pour le Lego Star Wars, le réveil de la force, épisode 8, je crois. 8 ou 7, je sais plus. Bon, soit. De toute façon, on est là pour la suite, hein, tout simplement. Et on va y aller, on va suivre notre petite pièce bleue fantôme avec Finn. Voilà, alors... Bon bah, pour l'instant, c'est aucune difficulté, hein. On a quoi? Rien? Bon. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Bon bah, il nous faut... Chewbacca. Allez, vas-y, envoie-moi... Ah, ce qui est bien, c'est que derrière, voilà, on a débloqué directement le petit personnage qui fait toujours plaisir. C'est celui avec... qui balance des... Des bombes. On a besoin de... Yann. Une seconde, je vais l'analyser. Allez, vas-y, Aline, analyse-moi ça. Et... Hop, là, j'ai trop loué. Merde, ah, voilà. J'allais dire, zut, je viens de le voir. Oh, et puis maintenant... C'est bien ce que je pensais, c'est un arbre. Et tu as un sabre laser, tu te souviens? Ah bah zut alors, eh, je l'aurais pas deviné que c'était un arbre. Finn. Ouais, c'est ça, Finn. Mais... Ah, et puis en plus, il faut que j'abaisse le joystick. Eh, franchement, un arbre, je l'aurais deviné moi-même. Hein. Avant, a-t-on à voir de la baston? Ah, non, il faut aller par là. Désolé. Pas une égratignure. Ah, ouais. Enfin, il est quand même bien fait, hein, le faucon. Attendez, si je peux monter, voilà. Oh, que c'est beau quand même. Hein. Oh, on voit pas tellement bien le dessus, mais bon. Il donne quand même pas mal. Eh bah, vous savez quoi? Let's go. Ah, mode continué, oui. Alors, comme d'habitude, je coupe le son à cet endroit-là pour éviter les droits d'auteur qui m'embêtent énormément. Alors, chapitre 7, voilà, le chapitre 7, la résistance. Ayant capturé Ré, vous avez vu le mot, hein, capturer Ré. Le premier ordre se retire précipitamment de Takodana, leur force submergée par les renforts de la résistance. Dans la base de Starkiller, Kylo Ren utilise ses pouvoirs pour extraire de Rey l'emplacement de la retraite de Luke Skywalker. À sa grande surprise, elle est capable de lui résister. Eh, c'est normal, c'est Rey quand même. Donc on en profite aussi pour lâcher un petit commentaire tout simplement pour dire de ben voilà, de voir ce que vous pensez de la qualité audio, qualité son, qualité du gameplay tout simplement. N'hésitez pas à le dire, j'y répondrai assez rapidement, sauf si mon compte YouTube en ce moment déconne. Mais bon, ça c'est encore autre chose. J'envoie des messages sur mon portable et ça répond pas. Allez savoir. Petit emplacement. Bien prêt. Le petit fauteuil. La pilleuse d'épave t'a résisté. La force est puissante en elle. Elle n'a pas été formée, mais elle l'a. Et le droïde? Kylo Ren a estimé que nous pouvions nous passer de lui. Que la fille avait tout ce qu'il nous fallait. Résultat, le droïde est très probablement à l'heure qu'il est aux mains de l'ennemi. Il faut donc frapper la résistance avant qu'il ne joigne Skywalker. Nous les avons localisés. Leur vaisseau de reconnaissance a rejoint le système d'Illinium. Bien. Nous allons pouvoir les écraser une bonne fois pour toutes. Faites préparer l'arme. Je peux lui extorquer la carte, Supreme Leader. Si ce que tu dis de cette fille est vrai, alors ramène-la-moi. Podamron, t'es vivant? Ah, Finn! BB-8 dit que tu l'as sauvé. Nous boirons vos paroles.
Ah bah, déjà mes amis. En comparant les relevés d'astrogation de BB-8 aux données que nous détenons, nous pourrons localiser Luke. L'ordinateur central se trouve derrière ces portes blindées. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ici? B. Alors, X. Ah, dommage. J'ai loupé le coche. X. Alors, Y. Y. Et A. Ah ben, eh. À tout le personnel disponible, rendez-vous aux portes blindées. Je répète que tout le personnel disponible se rend aux portes blindées. Ah, on a du renfort, les amis. On a du renfort. Alors, ouais, à mon avis, ça doit être pour ça, en haut. Nous devons déplacer cette caisse de stockage. Voilà. Allez, les mecs, tirez avec moi. Et... pas de tir au flanc, s'il vous plaît. Ouais, voilà. J'ai eu peur. Je pensais qu'il y en avait un qui allait faire... Vous pouvez disposer. Hop là. Hop là. Bon, ça sert à quoi, ça? Ouais, voilà. Alors, on monte là. Ah bah. Ah, déjà de fait. Déjà pas mal. Bon, est-ce que je peux le lâcher? Ah, désolé, général, mais... Bon, il va falloir actionner deux leviers, puis recharger le circuit. Vite, le temps presse. Ouais. Ok, alors, là, qu'est-ce qu'on a ici? BB-8, c'est pour toi. Qu'est-ce que tu peux faire, BB-8, avec ça? Non. BB-8, à toi. Ouais. Bon, bah c'est pas ça. Oh, on a quelque chose ici. Ouvre la porte. La porte. Ah, ça c'est pour... Tu parles pas de basique. C3PO. C'est à cause d'une fuite du circuit réfrigérant. La porte s'ouvre de l'intérieur, ce qui n'est pas un problème en soi. Mais Obon ne parle que Boche. Puis-je vous aider? Alors... Le Boche est ma deuxième langue. Alors si je me trompe pas dans le monde... Ça doit être vert. Jamia. Jaune. Troeta. Non, perdu. Alors jaune, orange. Troeta. Ah, c'est pas ça. C'est vert, orange. Jaune, vert, Jamia, orange. Jamia, Kuma, Troeta. Oula, j'ai vraiment du mal, hein. Il va falloir que je m'y mette à ces systèmes-là. Houhou. Basics. Il fait quoi, lui, à l'intérieur? En vérité, j'ai actionné ça, mais... Ah bah, voilà. Bon, là, ça répond à ma question. C'est pour ouvrir les portes. On dirait les pièces détachées de l'autre levier dans ce bloc de glace. Ok, alors là, on va les prendre... elle, hein, parce que, bah, voilà. Elle, les nouvelles. Ah bah non, il me fallait... Finn, ça serait bien, voilà, amène-toi. Laisse, je vais tout faire. J'appuie sur le joystick du bas. Ah non, là, ouais, ok, bon, ça c'est pour ça. Je suis d'accord avec ça. Bon, là, c'est un mini-kit. Et j'arrive à pousser ou pas? Ouais. Tant que C3PO arrive, on a quand même le temps d'y arriver. Bon, on a résolu une énigme. Ça va prendre combien de temps à fondre? Trop. Oh, j'ai une idée. Indice. C'est comme ça que j'ai grillé ma saucisse. Ce n'était pas idiot, ce qu'on fait. Merci. De vous avoir accepté au sein alors, de la résistance. On va mettre ici pour voir ce que ça dit. Bon, servons-nous de ce treuil pour transporter le bloc jusqu'au X-Wing. D'accord, ok, on doit peut-être aller avec BB-8, là. On a dû utiliser une partie des rails pour réparer un vaisseau. Mais vous devriez avoir assez pour combler les trous. Il va où, là, lui? Dites, si vous relancez le moteur du X-Wing, est-ce que je peux cuisiner une... Non. Ok, pas de soucis. Ah. Je comprends. Ah, il veut pas. Il veut pas. Bon. Et si, à la rigueur, on va voir un peu si en le démontant, on peut aller au deuxième. Ah, oh, oh, ça me plaît. BB-8, c'est pour toi encore. Alors, pour remonter, c'est pas moi. Et baisser non plus, hein. Je le dirige simplement à droite, à gauche, hop, ralenti, et hop, en avant.
Ah là, bien sûr, il va plus. Il va falloir le redémonter, lui. Bon, en même temps, on prend quelques pièces. Et là, à mon avis, ça va être de l'autre côté pour lui faire passer à BB-8. BB-8, s'il te plaît. Voilà. Non. L'autre sens. On va de l'autre sens. Voilà. Il y a un peu loin, là, non? Ah non, il est tombé sur les bons crochets. Bon, là, à mon avis, ça va être la même chose. Allez, c'est 3 PO. On y va. Il est long, quand même. Hein. Il est long. Bon, et maintenant, la glace, non? Le feu? BB-8, tu peux laisser tourner les propulseurs du X-Wing? Ah, mais en plus, BB-8 est obligé de le faire. Bah, tout à l'heure, y aller. Allez, hop, on y va. Ah bah voilà, ça me plaît maintenant. Alors, on va monter ça et il va falloir sauter encore dessus. Eh bah voilà. Ça promet. Ah, on a encore besoin de BB-8. BB-8 pour toi. Tu peux pas me le faire à distance? Ah bah si, tu peux me le faire. Hop là. Bon, la salle de contrôle se trouve de l'autre côté. Quant à vous, si je vous reprends à cuisiner au X-Wing... Bon, bah allez, on y va. Évidemment, la tâche serait plus simple si on n'empilait pas de l'équipement devant les leviers. Je dois absolument faire repeindre ce bras. Bon, ça... Les portes de la salle de contrôle sont aussi verrouillées? C'était pas moi! Général, un nouveau système de sécurité a été mis en place, mais nous rencontrons quelques problèmes. Je vois ça. Nous pensons que le circuit est peut-être interrompu. Ok. Alors. Je vois quelque chose là, ici. Bon, à mon avis, c'est pas avec toi que je vais te casser quelque chose. Bon, c'est pas ici. C'est quoi ça? Pourquoi j'ai un groupe? Non, me dis pas que c'est toi. Ah, c'est peut-être... Attendez. Ouais, bah oui, tu restes là, toi. Bah oui. Elle avait envie de nous faire une petite crise de... J'espère que c'est elle, hein, parce que sinon on va devoir recommencer avec... Messieurs, ah bah voilà, placez-vous devant le scanner, je vous prie. On y va, on continue. Hop. Ah, là, c'est du travail pour BB-8 encore. Eh, BB-8 travaille quand même beaucoup, hein. Et boum. Alors là... Oula, ça me plaît pas beaucoup, ce truc-là. Enfin, ça devrait bon, tenir pour le tout compte fait. Cool, on a réussi. BB-8, peux-tu charger tes données dans le port d'Astromech? Bah allez, on y va, on va continuer. Bon, assez facile, hein. Oup, et voilà. Ah, il y en a trois, il y en a trois, mes amis. Chargement. Général, je suis au regret de vous informer que la carte récupérée sur BB-8 est incomplète. Et ce qui est plus grave, elle ne correspond à aucun système cartographique connu. Nous n'avons tout simplement pas assez de données pour localiser Maître Luke. Comment ai-je pu croire que j'allais le retrouver et le ramener? Le premier ordre est en train de recharger l'arme. Notre système est la prochaine cible. BB-8, tu perds ton temps. Oh, j'ai bien peur que non. R2-D2 est en mode veille depuis que Maître Luke s'en est allé. La mission de reconnaissance de Snap confirme ce qu'a dit Finn. C'est la base Starkiller. Comment peuvent-ils alimenter une arme d'une telle taille? Ils utilisent la puissance du feu solaire. L'arme se charge et l'énergie d'un soleil jusqu'à ce qu'il disparaisse. D'accord, mais comment on l'a fait exploser? Il y a toujours un moyen d'y arriver. Pour confiner une telle quantité d'énergie, il doit y avoir un oscillateur thermique. Effectivement. Si on détruit cet oscillateur, ça peut déstabiliser le cœur et neutraliser l'arme.
On va frapper cet oscillateur avec tout ce qu'on a. Il dispose de boucliers que nos appareils ne sont pas capables de traverser. Je peux désactiver les boucliers, mais il faut que je sois sur place, sur la planète. On va t'y conduire. Réparation terminée. On a plus qu'à charger le carburant et les munitions. Du carburant, des munitions, ah oui, et des cookies wookies pour Chewie. Je vais effectuer un dernier contrôle avant le décollage. Occupe-toi du matériel. Ah bah en plus, c'est pas fini, mes amis. Je pensais que c'était fini, moi. Où ? Bon, bah alors, on va où ? Ah, là, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'on doit faire ici ? Ok, bon bah c'est pas là, à mon avis ça doit être ici. Ça fait monter ou pas? Tu montes ou pas? Non, monte pas. Bon bah. Est-ce que elle peut le faire? Non, tu peux pas. Bon, on va aller voir. Normalement qui? D'accord, ok. Donc j'étais au bon personnage. On va... Bim, boum, boum, boum. Ok, alors là, ici, qu'est-ce qu'on a à faire? Ah, il y a quelque chose encore, à mon avis. Hop, un petit arrondi. Ah. Ah non, mais en plus, tu montes. Oh, d'accord, ok. Ah, d'accord, ok, donc c'est un ascenseur à deux verrous. Ah, deux verrous, oui, les amis. Du carburant, ah, mini kit, pas bon. À votre jour, à moins que vous ne parliez la langue qui a été réglée sur ce. Ah non, il me faut 6-3PO. À mon avis, on aurait bien besoin d'un droïde. Et où 6-3PO? J'ai bien peur de ne pas être très doué avec les. Oh, t'es sérieux? Pour les gravures, j'entends. Car je parle parfaitement leur langue. D'accord, ok, bon, je recommence tout. Allez, on recommence tout. Hop là. Et là, on va rester un peu plus longtemps, on va voir un peu ce que ça dit. Et là, il est là, 6-3PO. Tu viens ou pas? Ok. Alors, là, il faut aller bien attendre 6-3PO. S'il est pas là, je le flingue. Ah oui, c'est sûr, les amis. Non. Ouais. Oui. Un droïde de protocole, enfin. Ok, alors. Jamia, t'as un coma droïde. Là, c'est facile. Oups. Je vais référer par rapport au symbole, donc ça va être assez difficile à redécrire. Hein, parce que les couleurs, des fois, c'est chaud. Et... Banzai! Alors, un coup de main, ce serait pas drôle. Alors, on va tout casser. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ici? Et ça, c'est quoi? Bon, y'a rien de spécial. Tchou-tchou, le petit train. Yop là! Et de 1! Bah, je pense. Il ne reste plus que les missiles assommants. Eh, mon train-train! Il a piqué mon train-train, les amis! Bon. On va essayer de repartir par là pour voir un peu s'il n'y a pas quelque chose au fond. Connaissant, et je pense qu'il y a quelque chose. Et... Ah! Alors là. Je vais demander de l'aide. Ok, bon, bah, c'est pas par là. Non, bah laissez-moi passer quand même. On en a quand même fait un sur trois. Comment tu as réparé le convertisseur d'énergie alors? Alors toi, qu'est-ce que tu me dis? Ah non. Ok. Il me faut encore C3PO. Excusez-moi, monsieur. Auriez-vous l'amabilité de nous donner accès à la réserve? Ah, ça dit oui, car nous ne causons mon aura. Ah, rien compris. Misère. Je crains que Maître Nom ne soit guère d'humeur coopérative. Apparemment, on lui aurait promis une glace à la baie de Peeble pour le rafraîchir.
Et il refuse de nous aider tant que la promesse n'aura pas été honorée. Problème. Nien Nab est un héros de la rébellion qui a participé à la destruction de la deuxième étoile de la mort. Il peut même avoir une double dose de vermicelle si ça lui fait plaisir. Il en va de même avec Anne, mais ne lui dites pas que j'ai dit ça. Bon, bah alors on va monter, on va voir un peu ce qu'il nous dit. Allez, c'est trop. Et toujours la rambarde de sécurité, hein, mes amis. Attention à la sécurité, c'est très... Bon, ça, je peux pas le faire, donc c'est pas ici. Bon, on va tout casser, on va voir. Alors, est-ce que c'est ça? Voilà, bon, là, on va rester au milieu du jaune, hein, on va voir. Bon, bon, c'est pas ça. C'était pas ça, lui-là. Voilà, alors, hop, on change. Parce que ça, ça a l'air d'être un mini-kit, mes amis, donc je vais pas tenter le diable. Toutes les pièces requises pour satisfaire Monsieur Nub devraient se trouver dans ce conteneur doré. Bébé 8, peux-tu la rapprocher du sas, s'il te plaît? Ah, d'accord, ok, c'est moi qui dirige. C'est moi qui dirige avec BB-8. Alors, bon, y'a rien de complexe dessus. Hein. Ah, c'est pas de chance, c'est pas par là. C'était de l'autre sens. Et... Bingo! Assez facile quand même. C'est quoi qui nous fait là? Ah non, c'est pas fini. Oh, désolé, autant pour moi, mes amis. Bah là, on va continuer. Hein. Elle va où cette caisse? Comprends pas, bébé 8. Ah, et en plus, c'est encore moi qui fonctionne tout. Bon, bah voilà. L'autre sens, bébé 8. L'autre sens, bébé 8. Voilà, merci. J'espère que c'est la dernière partie, hein, parce que... c'est une caisse qui s'appelle Désire-moi. Bien joué, bébé 8. Je doute que R2 ait pu le manipuler avec une telle habileté. Ces caisses sont solides. Il va falloir une puissance de feu conséquente pour les ouvrir. Alors, les objets Lego peuvent être détruits par un groupe de personnages. Trouvez-en dans les alentours. Alors... Il a l'air d'avoir du personnage ici. Ah, il me faut Princesse Layla. Hop là. Ah, à mon avis, ça, c'est pour la force. Alors, X. Non, dommage. J'étais pas assez rapide. Voilà. Ah, j'étais dessus. Ah bah voilà. J'étais dessus pourtant avec le X. Hein. Bon, soit. C'est pas grave. Le tout, c'est d'y arriver. Alors, on a quelque chose ici. Voilà. Hop, mini-kit, mini-kit à éviter. Évitons les mini-kits, mes amis. Alors. Ah, bah... C'est ce que j'appelle du tir de précision. On n'avait qu'une partie, hein. On avait que une construction à faire. Monsieur Nub. N'oubliez pas, à la baie de Bibble, il a vraiment insisté sur ce point. C'est là que il n'y a pas de baie Bibble. Si, ça va. Il l'a. Eh, ça aurait pu arriver, hein. Ok. Ah, alors on continue, hein. Attendez, je vais casser tout ça. Alors, on a... Attendez, il y a quoi là à côté? Ah, d'accord, ok. Donc ça, ça a évité aussi à faire. On y va. Boum. Et puis c'est Princesse Leia qui conduit. Attention, alors là... Et... Deuxième. Il ne reste plus que les missiles assommants. Eh bah. Ah ah, c'est assez complexe, hein. Je crois que j'ai peut-être mon idée.
On va aller rechercher les bonhommes là pour aller tirer les caisses que j'ai pas réussi à prendre. Est-ce que ça va marcher? Ah, ça a l'air de marcher. Eh, venez là les mecs. Ils me suivent? Ouais, cool. Pour l'instant, me suivent. Qui m'aime, me suivent. Oubla. Et il m'aime bien, hein. Vite, aidez le général. Oh, merci. Ah, nous avons un problème. Ici, la base, nous avons un problème. Nous sommes bloqués. Alors, si lui me retire pas avec son treuil, je sais pas comment je vais faire. À mon avis, il y a une solution. Bon, ça va, il me le lève. Donc, j'ai accès. Je fais quoi, moi? Ah oui, d'accord, ok, j'ai des trucs. Ok, je l'avais pas vu. Ah, bah, bien sûr. Le groupe ne veut pas venir. Allez, on va tirer en croisée, comme des amoureux. Finn, veux-tu me donner un coup de main? Et comme... Chargeons le matériel. Ouais, bah oui, bah, mais ça va être la princesse Layla qui va le conduire. Ouh. Ah, je m'éclate, désolé mes amis, mais ça m'amuse un petit peu. Je m'amuse un petit peu aussi, hein. Bon, ça a l'air de fonctionner. Chasseur paré au décollage. Oh. Il y a quand même des choses qui ne changeront jamais. Tu me rends toujours folle. Si tu vois notre fils, ramène-le. Eh ben non, mes amis, je me suis... Mon ennemi est trompé. Directement, il n'y a pas de bataille d'avion. Ah, de vaisseau. Donc là, on a fini le gameplay. Hein. On va déplacer les pièces qui est... Pas très important, et quand même 70% des 100% des pièces. Briques rouges, je ne l'ai pas trouvé. Tant mieux. Les mini kits, j'en ai failli en avoir un, mais je l'ai pas pris. Ah oui, les amis, le but du jeu, c'est d'éviter de prendre les mini kits. Et quand même, 4 vaisseaux encore de débloqués, et des personnages. Bon, bah, sûr, la presse. Ah, c'est 3 PO aussi. L'amiral. Kaluan, Goss, bah, commandant. Ça, on l'a joué avec, donc c'est normal. BU4D, PZ, R2. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais les personnages, ça commence à diminuer. Eh oui, les amis, ça commence vachement à diminuer. Eh bien, mes amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui encourage toujours. Ou laissez un commentaire pour dire que vous avez liké ou... que vous voulez améliorer les choses en disant ce qui va pas, le son pas assez fort, le son trop fort, le gameplay pas assez, comment dire, assez de paroles dessus. N'hésitez pas, je sais, assez constructif dessus, du moment que c'est constructif et que derrière c'est une bonne critique, il y a pas de problème, j'y répondrai. Mais pour l'heure et pour l'instant, je vous laisse en très bonne compagnie de la prochaine cinématique et je vous dis à ciao et à la prochaine fois. Bye bye! Hyperdrive va avoir besoin de toute l'énergie disponible pour ce voyage. Tu peux gérer ça avec Chewie, petit? Pas de problème.